Tac, oui, tac, tac. Regardez, vous allez voir la coupe de mon perso aussi, vous allez la voir, elle est plutôt cool. Ce que j'aime bien faire, c'est aller styler la coupe, j'aime bien moi. Vous dites-moi en commentaire, vous notez mon perso combien sur 10? Voilà, regardez, il est là, petite coupe, ah là là, ce beau gosse, c'est un tonton, c'est un tonton. Voilà, bienvenue, merci, merci donc, bienvenue à tous, je sais, merci de m'accueillir comme ça, je suis là, on est là. On est là, voilà, regardez-le moi, il est petit quand même, je vais essayer de faire un peu plus grand. Amigo, amigo, c'est à moi maintenant? C'est à moi d'abattre? Ok, je serai là, vous inquiétez même pas, oui. Wesh l'équipe, c'est Wawa. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode de la carrière joueur. Les mecs, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. On commence tout de suite. Comme vous pouvez voir actuellement, je vais l'afficher à l'écran. J'ai fait des votes pour savoir est-ce que je prends un Français pour dépasser la carrière de Karim Benzema ou je prends un Portugais pour dépasser la carrière de Cristiano Ronaldo. Et comme vous pouvez le voir, les votes sont tournés vers Cristiano Ronaldo. On va essayer de refaire la carrière de Cristiano Ronaldo. Les mecs, ce que je vous ai pas expliqué, en fait, quand j'ai dit je vais prendre Cristiano Ronaldo au Portugal, ce n'est pas ça. En gros, je vais prendre le pays région français et je vais faire un joueur qui est doté de la capacité de Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire, je vais faire un Français qui va essayer de dépasser la carrière de Cristiano Ronaldo. Et inversement, si vous avez choisi Benzema, j'aurais fait un Portugais qui va essayer de dépasser Benzema. Là, je vais faire un Français qui va essayer de dépasser. Comment il s'appelle, le GOAT Cristiano Ronaldo. Je vais faire tous mes presets, la tête, le joueur, le nom et prénom. Et on se retrouve pour faire, pour faire la nouvelle équipe, pour mettre la nouvelle équipe, les mecs. Allez, c'est parti. Voilà, on a fini notre personnage qui s'appelle Karim Abdourahmane, les mecs. Voilà, il est français d'origine algérienne. Il veut essayer de dépasser tous les records. Son joueur préféré est Cristiano Ronaldo. Il va essayer de faire une meilleure carrière que lui en pouvant avec l'équipe de France. Il n'a pas l'Algérie dans le jeu. Il n'a pas pu prendre sa nationalité. Il a voulu prendre l'Algérie, mais ils n'y sont pas. Donc, il a pris la France et il va essayer de dépasser. Passer la carrière de Cristiano Ronaldo, sa petite célébration, voilà, c'est du calme, tranquillement, on est là, maillot, j'ai fait comme ça, vous pouvez le voir, tout, j'ai mis comme presque Ronaldo, profonde respiration, style penalty, voilà quoi, et style de course, j'ai mis comme Ronaldo, on va essayer de dépasser mon poste, CBU, il fait, je sais pas sa taille, il doit faire 1 mètre, je sais plus, faut que je regarde, mais peut-être améliorer sa taille, parce que, voilà quoi les mecs, on valide tout ça. On va aller signer en Ligue 2 BKT. On va essayer de faire monter l'équipe. Quelle équipe on pourrait prendre? Une équipe que j'aime bien, c'est Le Havre. Le Havre, oui, Le Havre. On va prendre Le Havre où tous les talents comme Mahrez, ils sont sortis. Les cracks, vous avez compris les mecs. Nous, on va jouer en légendaire. Si c'est trop facile, on mettra en ultime. Durée d'une période, on va mettre 4 minutes. Et voilà quoi, ça c'est fait. On va continuer. Voilà la petite cinématique, je vous laisse avec. Tac, oui, tac, tac. Regardez, vous allez voir la coupe de mon perso aussi, vous allez la voir, elle est plutôt cool. Ce que j'aime bien faire, c'est aller styler la coupe, j'aime bien moi. Vous dites-moi en commentaire, vous notez mon perso combien sur 10? Voilà, regardez, il est là, petite coupe, ah là là, ce beau gosse, c'est un tonton, c'est un tonton. Voilà, bienvenue, merci, merci donc, bienvenue à tous. Je sais, merci de m'accueillir comme ça, je suis là, on est là. On est là, voilà, regardez-le moi, il est petit quand même, je vais essayer de faire un peu plus grand. Amigo, amigo, c'est à moi maintenant? C'est à moi d'abattre? Ok, je serai là, vous inquiétez même pas, oui. Allez, c'est parti, voilà, on commence notre carrière avec le Havre numéro 7 comme Cristiano Ronaldo. On a déjà une petite activité, on va saluer les coéquipiers. Moi, je vais dire qu'on est là, je vais être solitaire, on est présent, les mecs. Mon perso, il fait mettre 1m80. Les paramètres que je vais mettre pour que ça soit bien, bien violent, les mecs, vous allez voir tout de suite. Ce que je voulais mettre, c'est que je voulais mettre arbitre sévère, etc. Vous m'avez compris, comme ça, il y a plus de punch dans la carrière. Voilà, c'est fait. Le Havre, l'éclosion de Abdourahmane. Havre, les supporters ont beaucoup attendu parler de ce jeune homme. Et il n'est pas étonnant de voir Karim Abdourahmane rejoindre l'équipe première. D'ailleurs, son arrivée a été célébrée comme il s'agit d'un gros transfert. Il faut dire que ce jeune joueur
buteur de 18 ans a tapé dans l'œil des managers du Havre. Je sais que Abdourahmane est prêt à jouer en équipe première. Je l'ai vu du centre de formation. Je sais qu'il peut briller à haut niveau. Voilà, c'est fait. Les mecs, on va essayer de faire monter le Havre en Ligue 1 Uber Eats. Essayer de faire quelque chose avec cette équipe. Et après, on verra pour dépasser la carrière de Cristiano Ronaldo en une saison au Havre. Je vais essayer de vous le dire clairement. Faut que je mette minimum 50 buts à battre l'ennemi. Je vous le dis tout de suite. Là, je vais aller faire les entraînements. Et aussi, en carrière, dites-moi si vous faites la même chose en commentaire. C'est le premier épisode, c'est normal, je parle beaucoup, mais le deuxième, ça va être beaucoup mieux. Moi, je fais quoi, les mecs? Je vais aller faire les entraînements et on se retrouve pour la suite, les mecs. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fini les entraînements. On est monté niveau 3. Comme vous pouvez le voir, haut à droite, j'ai 9 points de compétences disponibles. C'est 9 points au début, ce que j'aime bien faire en carrière, c'est que je mets tout dans la vitesse. J'arrive pas, je claque tout dans la vitesse, comme ça, ça me fait une vitesse énorme pour mon joueur. Il accélère, il va vite, 71 de tir, 81 de vitesse, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et voilà quoi, on va essayer, on va continuer de faire la suite les mecs, on va essayer de prouver. On va se retrouver pour le premier match de championnat. Attendez, mais qu'est-ce que je vois? 7 points de compétence. On va mettre la vitesse max, c'est carré, voilà. Il nous manque encore 4 points de compétence et j'ai fini la vitesse au max. Pour l'instant, on peut voir, j'ai 89 de vitesse déjà, juste en faisant les entraînements, c'est pas mal. Le premier match de championnat est contre Sochaux. Je vous dis clairement, avec ce joueur, si je ne finis pas premier du championnat, je quitte le championnat. Clairement, je vous le dis, je finis pas premier avec le Havre, je quitte le Havre. Voilà, on a reçu les messages du coach. Bienvenue, bonjour Karim, c'est très bien que nous aient rejoint. J'espère que tu feras un passage remarqué ici. J'ai envie de te voir gagner ta place de titulaire le plus rapidement possible. Pour ça et pour améliorer ta note, je veux que tu t'entraînes chaque semaine afin de progresser. Si tu ne parviens pas à devenir titulaire rapidement, je te recommande de prendre des connaissances, des objectifs de match et que je te fixe à chaque rencontre. Ça devient concret, tes performances ont été vraiment impressionnantes à l'intersaison. Je vais te titulariser pour le prochain match et les choses sérieuses commencent vraiment maintenant. J'espère que tu seras monté à la hauteur. Je pense qu'on peut faire de grandes chances ensemble. Bonne chance. Bon, c'est parfait. Karim Abdourahmane, le fils de Karim Benzema, va essayer de faire quelque chose. Voilà, ça devient une annonce. Karim débute contre l'adversaire Sochaux. Ça, les mecs, ça se fera dans le prochain épisode. Premier épisode, c'était création du pro, etc., etc. Et voilà quoi. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. On se retrouve très, très prochainement pour l'épisode 2. Allez, les mecs, je vous laisse sur ça, moi. Peace.